Alors, je fais une petite page de pub pour vous donner des nouvelles des copains de classe, de l'école, et aussi maintenant de nouveaux copains d'école. Parce que j'ai souvent dit que diriger une école, ce n'était pas facile, mais qu'il suffisait bien souvent de faire comme si on était une bonne mère de famille, de réagir comme si on était une bonne mère de famille. Et là, j'avoue qu'actuellement, je suis de plus en plus heureuse parce que ma famille d'école s'agrandit tous les jours et nous en sommes actuellement à 109 abonnés qui me donnent parfois des nouvelles, même s'ils ne sont pas des élèves de l'école, et ça fait super plaisir. Donc, je vous redonne des nouvelles et puis n'hésitez pas. Alors, j'ai fait un petit mur d'images et je vais m'amuser à faire un très, très grand tableau que j'accrocherai dans l'école en souvenir de cette période d'école à la maison, d'école à la télé. Et voilà, ça c'est le portrait de cette semaine. Alors j'ai quelques photos qui sont en noir et blanc parce que je ne les avais pas quand je suis allée faire développer mes photos avec la clé USB. Je ferai ça mieux après bien sûr, mais c'est pour vous donner des nouvelles d'un peu tout le monde. Alors on va commencer par Pauline, petite section, Pauline qui s'entraîne à écrire avec ses lettres magnétiques Avril en regardant les vidéos, c'est super. Raphaël, de moyenne section, dont la maman a trouvé une super technique pour lui faire faire les graphismes des vagues en moyenne section. Pas de sable, pas de semoule, pas de farine. Alors, elle a tamisé de la terre bien fine dans une assiette et il s'entraîne à écrire ses vagues. Super, Raphaël, bravo et bravo à la maman. Emilia, qui, dès que la vidéo avait été postée, a cherché un grand nid, la gourmande. Elle va avoir 10 choses de Pâques, c'est super. En tout cas, elle a fait une super belle poule. Bravo, Emilia. Elle m'a envoyé un petit message en écrivant « Tana !» J'ai adoré. Ta poule est vraiment magnifique. Tu pourrais m'en faire une, s'il te plaît, avec 12 œufs. Merci. Et Nathalie, qui nous a envoyé une photo pour qu'on ait des nouvelles d'elle et qui nous suit à la maison. C'est l'aide maternelle d'Audrey, en petite moyenne section. Elle nous envoie une photo de son chien. Ça tombe bien pour aujourd'hui et notre Albert. Une petite pensée pour Charlotte qui habite Lille et qui a déjà refait avec sa maman le calendrier pour pouvoir suivre les jours de la semaine. Salut Charlotte. Une photo d'Ethan qui emmène avec lui sa sœur Eva que j'ai eue dans ma classe il y a 2 ans et qui nous passe un message. Nous, on n'est pas fous, on reste chez nous. Salut Ethan et Eva. Augustin qui a refait une salle de classe complète avec le calendrier qu'on avait fait ensemble en petite section du loup qui voulait changer de couleur et qui a refait la bande numérique, l'abécédaire, qui écrit la date, enfin parfait, là c'est Augustin parfait. Et puis là, Augustin qui fait n'importe quoi avec ses feutres, hein, qui coince ses feutres dans ses lunettes pour faire les algorithmes, c'est sympa, j'aime bien les deux Augustin, merci. Mathéo, coucou Mathéo, dont le papa et la maman sont infirmiers à Nancy. Et qui est en train de faire la danse du poussin pillou. Bravo, Mathéo. Raphaël, très assidu avec ses parents. Alors là, il est en train de faire ses cartes à calculer. Là, il trinque avec moi pour les 100 abonnés, papa, maman et Raphaël. Et là, il est en train de faire les fleurs qui s'ouvrent toutes seules. Héloïse, petite section qui entraîne sa petite sœur Lucie, qui est encore à la crèche, hein, qui danse le poussin pillou. Noah, qui lui nous montre qu'il peut même calculer avec des bonbons. Il a fait les algorithmes brochettes sans doute, et là il fait des calculs, il fait les calculs, les cartes à calculer de 5, 3 bonbons et 2 bonbons. Bravo Noah, bonne idée. Alors là il me manque la photo de Norbert et Simone, mais je sais que Norbert et Simone vous êtes des abonnés assidus, qu'ils aiment la danse du poussin, le yoga, la gym et les claquettes. D'ailleurs, je vous ferai une petite séance de claquettes tout à l'heure. Je veux bien une photo de vous, Norbert et Simone. Merci. Antoine, qui fait l'étape suivante de celle de Raphaël avec ses lignes brisées sur feuille. Très bonne position d'écriture, Antoine. Je te félicite. Bien assis, les fesses bien posées sur la chaise, le dos bien droit, la main qui n'écrit pas, qui tient le support, la pince qui tient bien le crayon. C'est parfait, concentration parfaite, continue comme ça. Et voilà, je crois que j'ai donné toutes les nouvelles de cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça nous aide à continuer et ça me rassure sur le choix que j'ai fait de faire avec vous une chaîne YouTube. Donc à bientôt.